Bonjour Sophie Planck. Bonjour Andy, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Ça fait très très plaisir de te parler. Où est-ce que tu es en ce moment? J'habite en Savoie, donc j'y suis actuellement. Il pleut un petit peu ce matin. Mais voilà, depuis que nous sommes rentrés avec Jérémy de ce grand voyage à vélo, on s'est installé en Savoie pour être un petit peu plus au vert et au blanc en ce moment. Oui, au vert et au blanc. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et puis on présentera ton aventure? Oui, alors j'ai 33 ans, je suis journaliste pour la télévision depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc je travaille essentiellement sur du reportage court, ce qu'on appelle du format news, un petit peu de magazine et donc depuis peu du documentaire. À côté de ce métier qui est pour moi un métier passion, j'ai ce goût en fait pour la géographie et la découverte justement d'une zone géographique par la propre force de mon corps. Donc par exemple, ça m'a amené à traverser toute la Laponie finlandaise à pied en autonomie toute seule, à traverser un archipel qui s'appelle le Svalbard à 1 000 km du pôle Nord. Ça, c'était un ski Pulka. Voilà, c'est des petits exemples. Et à côté de ça, il y a eu ce grand projet à vélo avec mon conjoint qui nous a amené à traverser l'ensemble des Amériques, de l'Alaska à la Patagonie, sur près de 30 000 km. Pas mal, effectivement. En 2 ans, c'était ça, plus ou moins 2 ans. 2 ans et demi, oui. 2 ans et demi, ouais, super. Et c'est justement ce film que vous avez fait qui va être en projection lors du festival Into the Wild à la Sucrerie à Wavre, ici fin mars. On va en reparler pour ceux qui ont envie de voir ça comme il se doit sur grand écran. Ça donne quand même autre chose. Alors, d'où est venue cette idée de faire cet énorme voyage à vélo? C'est un petit peu la suite logique, on va dire, de ce que l'on a entrepris, Jérémy et moi, chacun de notre côté, dans notre jeunesse. Jérémy n'est pas là, mais lui, il a parcouru plus de 10 000 km à pied en Europe depuis ses 19 ans. Il est parti sur les routes assez tôt. Il partait en fait en quête de connaissances et en quête d'apprentissage à l'époque des religions. Donc il est parti depuis sa Normandie natale jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et ensuite il a fait le trajet inverse pour aller jusqu'à Istanbul à pied. C'était un petit peu voilà, l'école de la vie de son côté. Il a aussi ce goût et cette passion pour la géographie et c'est ce qui nous a amené en fait en nous rencontrant en Suisse à réfléchir à un grand projet commun. On n'avait pas forcément envie d'avoir de bébé tout de suite, mais on avait envie de construire quelque chose de solide ensemble. Et c'est presque naturellement en fait qu'est venu ce grand projet de voyage. Initialement, bon, là je fais l'histoire courte, hein, mais ça a duré presque 6 mois à ce que l'on se décide sur l'itinéraire. Mais concrètement, on avait envie de partir faire un grand projet qui nous emmènerait à nous dépasser, mais vraiment sur le long terme. En réfléchissant et en regardant en planisphère, on a pensé à l'Amérique du Sud, dans le sens où c'était le continent sur lequel ni Jérémy ni moi n'avions mis les pieds, à savoir qu'à l'époque, on voyageait surtout à pied. Et puis, en fait, au fil de lecture, de recherche, on s'est rendu compte que potentiellement, on serait capable de réaliser la grande traversée de l'Alaska jusqu'en Terre de Feu, qui se trouve être la route la plus étendue de la planète en termes de latitude. Donc ça nous a inspiré et on s'est presque dit, chiche, on le fait. Et c'est un petit peu comme ça que tout est parti. Mais on n'a pas eu envie de le faire à pied. On voulait être un petit peu plus rapide et on s'est dit que le vélo serait un bon compromis, dans le sens où ça allie justement le côté lent, mécanique, humaine et en même temps légèrement plus rapide que la marche à pied. On n'avait pas envie de ne faire que ça ces 5, 6 prochaines années. Donc le vélo s'est imposé ça a été un petit défi personnel dans le sens où c'était mon premier voyage vélo. Ok, ah ouais, là c'est baptême du feu, là. Hein. T'as pas choisi le plus court, effectivement. Heureusement que ça t'a plu, sinon t'es un peu long. Oui, en fait, c'est mine de rien, c'est quand même assez corrélé à la marche à pied, Oui. l'effort, sans dire qu'il est similaire, on retrouve beaucoup de similitudes, en fait. Dans le travail de respiration, dans le côté, justement, effort,
écouter son cœur battre, se laisser un petit peu porter par ses réflexions quand on est sur le vélo, c'est exactement la même chose que quand on est à pied. La seule différence, c'est qu'il y a un petit peu plus de mécanique à entretenir sur un vélo. Mais ça s'apprend sur le tas, en fait. Jérémy avait quelques notions de son côté de mécanique. On a beaucoup travaillé, entre guillemets, avant de partir sur justement comment dévoiler une roue, comment changer une chaîne, ce genre de choses. Mais en dehors de ces petites appréhensions-là, l'essentiel, c'est d'être corrélé à ce qu'on fait, d'avoir le mental en fait connecté à son effort. Et ça, c'est l'essentiel. Ouais, ça c'est clair que le montage, je vais t'en reparler. Je voulais savoir que l'itinéraire, hein, vous l'aviez vraiment millimétré ou vous avez dit juste vaguement regarder un peu les routes qui existaient pour pouvoir quand même passer, c'est toujours pratique. Et vous saviez déjà l'itinéraire complet ou vous avez modifié beaucoup de choses? Enfin, je sais que le voyage vous a happé très vite et que vous avez dû effectivement, les plans ont été un peu chamboulés assez rapidement. Mais sinon, vous aviez quand même regardé la route jusqu'au bout, par où vous pourriez passer? En fait, on avait un point A, un point B, à savoir Dead Horse, Prudhoe Bay en Alaska sur les côtes de l'océan Arctique et Ushuaia en Terre de Feu. Entre les deux, on avait une ligne directrice à laquelle on avait envie de se tenir, à savoir rester continuellement dans les reliefs, dans les massifs, sur ce que l'on appelle la zone de séparation des eaux, la Continental Divide. Et ça, c'était vraiment notre ligne directrice de tout le voyage. Pourquoi cette ligne? Pourquoi avoir choisi cette ligne? En Pour être fait, sûr de ne pas avoir ça. trop de plats? Oui, en fait, on avait vraiment envie de s'éprouver tout simplement dans une géographie, dans la géographie américaine. Et les reliefs, on va dire que pour nous, c'est signe aussi de retrait, de petits chemins, de sentiers dérobés, de rencontrer des populations reculées et de s'imprégner aussi d'une nature où justement l'homme a beaucoup moins d'emprise. Donc c'était vraiment notre volonté, c'était de coller en fait à la source de l'eau, mais aussi à la source de toute vie. C'est un peu philosophique en soi, mais c'est ce qui nous a animés et c'est vraiment ce qui nous a passionnés aussi pendant ces 30 000 kilomètres. Et donc, pour répondre à ta question, c'est impossible, en fait, de se projeter sur 30 000 kilomètres. C'est beaucoup trop grand, c'est même abstrait. Ce voyage, il était abstrait avant de partir, il était abstrait pendant et il est abstrait après. C'est-à-dire que même après avoir parcouru ces 30 000 kilomètres, j'ai toujours pas d'impression générale, en fait. Et c'est un petit peu ce qui nous a aidés, en fait, à tenir le rythme. C'est qu'en fait, on prévoyait notre itinéraire une semaine à l'avance, grand maximum. Voire même dans les Indes, on prévoyait 2 jours, voire une journée à l'avance. On n'arrivait pas à se projeter plus dans le sens où les conditions météo étaient difficiles, le terrain était compliqué. D'une journée sur l'autre, une route pouvait s'effondrer, un pont pouvait s'écrouler. Donc, et je dis ça, c'est vrai. Oui, Donc, j'ai un peu regardé vos docus là pour préparer aujourd'hui. Oui, on voit les glissements de c'était terrain vraiment. qui vous ont fait remonter quand Voilà. vous pensiez avoir du Donc, poil et oui. et en fait, ces planifications à la semaine, ça, c'est du concret. On se planifie une route sur 400, 500 km grand maximum, 300 km dans les Andes quand on arrive à se projeter à la semaine. Et ça, c'est des petits achievements, ce sont des petits défis réalisables. Une fois qu'on le réalise, on s'accorde une journée de repos et ensuite on reprend la route. Et ça, mine de rien, ça. C'est des mini-accomplissements, en fait. Ça nous permet de nous voir avancer petit à petit dans la géographie. Parce que si on regarde la carte des Amériques en entier et qu'on voit le petit 300 km qu'on a fait, c'est ridicule. Et on pourrait très vite abandonner, baisser les bras en se disant, ça va prendre du temps, ça va être très long. En revanche, si on ne fait que regarder ces toutes petites L'étape portions, d'après, ouais. voilà, là, on regarde la montagne qu'on a en face de nous, on regarde le relief, on regarde le désert. Et de cette manière-là, on avance et on ne cherche pas à aller plus loin. C'est un peu allégorique, le vélo pour ça. On prend les choses comme elles viennent, on voit comment ça se passe, on serre les poings, on ferme les yeux, on pédale et on avance. C'est les idées d'aller étape par étape et petit pas par petit pas. Sinon, c'est le découragement qui guette. Ça, je l'entends souvent. Donc, je vais finir par y croire. Et oui, mais c'est la même chose en entreprise, c'est la même chose dans n'importe quelle carrière ou dans la vie, tout simplement. C'est difficile de se projeter, pardon, sur le long, surtout en ce moment, avec cette situation Fou, là, sanitaire que oui. l'on vit. Donc, il faut s'accrocher à ces petits défis, à ces petits projets,
parce que c'est ça qui nous aide à aller de l'avant. Je vais réécouter les questions de mes filles. Attends, je crois que... Ah oui, voilà, ouais, ça, on a dit un coup un petit peu déjà répondu à ça. Donc, pourquoi le vélo? C'était pour le bon compromis, rapidité et lenteur. Enfin, Oui, mais si tu mode veux, je peux stuff, allez. dire quelque chose en Oui, plus. pour elle, oui. Je serais super Voilà. contente. Elle s'appelle comment, du coup? Valentine. Valentine, Ok. et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, bon anniversaire, Valentine, et merci pour ta question, qui est une très, très bonne question. Le vélo, on s'est rendu compte aussi, au fur et à mesure de notre avancée, que c'était un excellent vecteur social, dans le sens où ça suscite la curiosité. Dès que l'on arrive, en fait, que ce soit dans un village reculé ou bien dans un désert ou même sur la côte, les gens nous voient d'un regard, d'un œil vraiment bienveillant. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'effort que l'on a fait pour arriver jusque chez eux. Quand on est à vélo, souvent le vélo est sale, souvent on est dans un état un petit peu pitoyable sur nos vélos, même si on essaye de s'entretenir. Et donc, il y a tout de suite une espèce de relation de confiance et de bienveillance qui s'installe. C'est la même chose un peu lorsque l'on voyage à pied, en fait. Il n'y a pas de rempart, il n'y a pas de glace, de séparation, de vitre entre nous et la personne que l'on a en face. Du coup, dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, il se passe quelque chose. Il y a une connexion tout de suite dans les yeux, ce qui nous incite, nous, à nous arrêter et à entamer la discussion, en fait, sur le bas-côté de la route. Et parfois, ça crée vraiment des échanges très magiques. Et le vélo permet ça. C'est vraiment un très beau vecteur social, qui suscite l'intérêt et la bienveillance, la confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire que l'on a éprouvé et qui nous a fait beaucoup de bien du nord au sud. Ouais. Et voilà, là on voit que tu as l'habitude de parler aux enfants, puisque ça c'était vraiment quand même une très belle part de votre projet, c'est de l'échanger en permanence avec des écoles. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, alors c'est pour le coup, ça a été très spontané comme ajout, on va dire, à l'aventure. On a été contacté par une très bonne amie de Jérémy qui était maîtresse d'école, enfin, qui est toujours maîtresse d'école, et qui avait envie de nous suivre avec ses classes. On se dit que c'était une très bonne idée et qu'on allait réfléchir de quelle manière est-ce que l'on pouvait partager et organiser les échanges. Et en fait, de fil en aiguille, de bouche à oreille, on a commencé à avoir un petit peu plus d'écoles qui ont voulu nous suivre. On a eu quelques articles dans la presse et là, ça a été l'explosion en tout et pour tout. On a été contacté par environ 40 écoles, ce qui représente quasiment 6 000 élèves à travers la France. On en a eu quelques-uns en Suisse aussi, et une école française en Égypte. Donc, il a fallu organiser tout ça. On s'est dit, co comment va-t-on faire pour partager sans que ce soit trop chronophage? Et en fait, avec Jérémy, donc, on a monté une association et on a décidé, en fait, d'encadrer ces échanges de cette manière-là. Une fois par mois, on s'arrêtait en fait dans un endroit avec Internet et électricité pour pouvoir travailler, à envoyer un journal pédagogique de 15 pages dans lequel on racontait un petit peu les rencontres, comment vivent les gens, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent, un petit point géographique. Sur la géographie que l'on traverse, est-ce qu'on est dans les volcans, est-ce qu'on est dans le désert, est-ce qu'on est dans les montagnes, raconter un petit peu cette évolution géographique, les animaux, les arbres, la végétation. Et un petit point aussi sur nous, comment est-ce que l'on se sent, est-ce qu'on a peur, de quoi a-t-on peur, comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces peurs-là, est-ce qu'on tombe, est-ce qu'on se fait mal, comment est-ce qu'on avance. Et tout plein de notions en fait qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui selon nous sont nécessaires justement à la construction personnelle. Et à côté de ces écrits-là, on avait aussi des vidéos que l'on réalisait tous les mois pour les enfants. Et c'est ces vidéos-là en fait qui ont servi à réaliser mon documentaire une fois qu'on est rentré en France. Donc l'ensemble des plans qui ont été filmés, à la base, on les a filmés pour les enfants. Toutes les interviews des personnes que l'on a rencontrées, elles étaient destinées à ces enfants-là. Donc, par exemple, on parle de tribus Yakama aux États-Unis qui racontent l'arrivée de l'homme blanc et à quel point ça a complètement déstabilisé et détruit un petit peu une partie de la culture. On parle de la moustache au Mexique, on parle de café, on parle de beaucoup de choses
qui au final ont aussi un intérêt pour les adultes, mais c'est vrai qu'à la base, ouais, on avait pensé. C'était chouette, ça pour j'ai les regardé enfants. tout. C'était très sympa. Sinon, j'aurais pas regardé tout. Et donc, on a fait un petit tour de France à vélo avant de partir pour rencontrer tous ces enfants. On a échangé donc, pendant 2 ans et demi avec eux. Et donc, ils ont grandi avec nous. Ils ont vécu beaucoup d'événements avec nous. Et quand on est rentré, c'était une belle manière d'ailleurs de rentrer en France. On a refait un tour de France de 2500 km pour retourner voir toutes les écoles. Et là, ça a été transcendant. On a vu ces enfants qui avaient tous pris 30-40 centimètres avec des étoiles dans les yeux. Ils nous avaient suivis. On était un petit peu des rockstars pour eux, en fait. Ils nous ont vus sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était nos copains, dans le sens où on était leurs copains. Bah On oui, avait c'était échangé trop avec top, eux. ouais. Et donc, retourner les voir, discuter, échanger, faire des activités ensemble, c'était sincèrement chouette. C'était une belle manière aussi de voir à quel point ce voyage-là... Eh bien, c'était aller bien au-delà de notre propre intérêt personnel. On s'était élevés tous ensemble et ça nous a fait beaucoup de bien pour le retour. Oui, ça, c'est vrai que c'était beau. Ils avaient même fait une petite chanson, enfin, inventé une chanson sur vous, hein. C'était trop chouette, quoi. Oui. Attends, ça, j'en ai déjà parlé. On prépare quoi, donc, avant le voyage? Donc, l'itinéraire, oui, on a une idée, mais on sait bien que ça va changer. Mécaniquement, oui, voilà, apprendre un vélo de A à Z, le monter, le démonter, les yeux fermés, les mains dans le dos. Et puis après, qu'est-ce que tu as préparé d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans une prépa comme ça? Il y a plusieurs choses. Il y a le côté évidemment financier. Donc, on essaye de mettre de l'argent de côté. On essaye de trouver quelques partenaires, notamment pour soutenir nos échanges avec les écoles. On a réussi à avoir pas mal de financements pour justement nous aider à financer ces moments passés en hôtel une fois par mois, ce qui représentait quand même un petit budget. On essaie voilà, de trouver du financement, de trouver aussi le bon matériel. Qu'est-ce que l'on choisit pour partir 2 ans et demi en essayant justement d'avoir le moins de casse possible? Ça prend 6 à 8 mois à égrener un petit peu les sites internet, via aussi nos expériences personnelles de bivouac, de traversée géographique. Qu'est-ce que l'on prend comme duvet? Qu'est-ce que l'on prend comme tapis de sol? Qu'est-ce que l'on prend enfin, comme réchaud? On essayait vraiment d'avoir en tête et donc dans les sacoches, le meilleur matériel qui nous permettrait de ne pas avoir de service après-vente en chemin, de ne pas avoir de casse ou du moins de limiter la casse. Donc ça prend beaucoup de temps. Et tout simplement concrétiser aussi dans son esprit le voyage, essayer de donner du sens à ce que l'on fait. Donc ça passe par de la lecture, de l'intérêt tout simplement sur le continent américain. Donc on lit beaucoup, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse aux géographies très diverses et variées parce qu'en fait, de l'Alaska à la Patagonie, on traverse la taïga, la toundra, la jungle, l'altiplano, pardon, des déserts, toutes les Andes. Donc c'est un intérêt généralisé qu'on essaye de développer en fait pour ce continent et ça aide en fait à concrétiser un petit peu plus le voyage avant de partir. En tout et pour tout, ça nous a pris 1 an et demi, presque 2 ans à préparer le voyage. Et bizarrement, ce que l'on a moins préparé, c'était le physique. On s'est accordé 500 km de vélo avant de partir dans les Pyrénées pour vérifier tout simplement que les réglages du vélo étaient les bons, que le niveau de la selle était le bon, que le guidon était bien approprié. On faisait un petit peu quand même de sport chacun dans notre quotidien, donc on ne partait pas de zéro. Mais comment se préparer à 30 000 km à vélo, c'est presque impossible en fait. Et on est parti du principe qu'avec notre petit bagage sportif et notre mental, pour le coup, que l'on avait travaillé dans différentes marches, on se ferait un physique au fur et à mesure. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. On va dire que le corps s'adapte doucement mais sûrement à l'effort à vélo, qui n'est pas du tout le même que l'effort à pied. Pour la petite anecdote, ça nous est arrivé de faire des randonnées, notamment dans les Andes, sur des volcans, après près de 2 ans à vélo et en randonnée à pied. Le lendemain, on avait des courbatures. Alors que ça faisait 2 ans qu'on pédalait tous C'est les pas les jours. mêmes Mais c'est qu'en muscles, fait, ce n'est pas du tout les mêmes muscles. ouais. Donc, du coup, le corps se fait au fur et à mesure. Et c'est de cette manière-là que, voilà, petit à petit, en y allant doucement au début, on avance progressivement et on se fait le corps et le mental. Et quand vous êtes arrivé sur place, donc toute votre préparation, ce que vous aviez pris, etc., est-ce que ça a été dire yes? Super, ou alors vous êtes vite dit, oula, en fait, il aurait fallu ça et on n'aurait jamais dû prendre ça. Et puis,
Oui, Non, oui. on a été plutôt bon en matériel. Yes. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a peut-être pris un petit peu trop. Très souvent, j'ai envie de dire tous les 4 mois à peu près, on faisait ce qu'on appelle des crises de poids. Et donc, on sortait tout ce qu'on avait dans les sacoches et on faisait un tri. Si on n'avait pas utilisé un accessoire au moins une fois dans le mois, il n'avait pas sa place dans les sacoches. Donc, on l'enlevait. Soit on le donnait, soit on le renvoyait en France. On est parti à l'époque avec une poêle et un petit barbecue microscopique. En fait, c'était un tube dans lequel on avait des petits fils de fer qui nous permettaient justement de, lorsqu'on voulait faire du feu, économiser notre carburant pour faire la popote. Et on mettait ça sur le feu. Et c'était valable, c'était intéressant pour l'Amérique du Nord, mais pour l'Amérique centrale, ça n'avait plus aucune nécessité. De même que la poêle n'avait plus aucune nécessité, donc on l'a renvoyée et le petit barbecue, on l'a donné à quelqu'un. Donc on a vraiment fait évoluer au final notre matériel en fonction de la géographie et du territoire que l'on traversait. Mais la plupart du temps, oui, on s'est délesté en fait de matériel. On a eu que si les chaussures au début étaient les mauvaises, elles n'étaient pas du tout adaptées à ce que l'on allait endurer, pas assez étanches, d'autant plus qu'on a eu un hiver assez précoce, ce qui nous a un petit peu compliqué la tâche. Donc dès le début, on a dû faire le choix de quitter la montagne un petit moment pour la retrouver après, parce qu'on a eu cet hiver assez précoce et on n'avait pas du tout les bons pneus. On pataugeait vraiment dans la neige, c'était très compliqué, c'était un petit peu dangereux. Mais sinon, on n'a pas vraiment eu de soucis avec le matériel. Ah, super. Et ton matériel fétiche, là, un truc où tu disais après, yes, ah, c'est vraiment, je suis vraiment contente. Le Il y a eu un tapis de truc. cul. Oui. Ça, c'est souvent le sous-estime, mais alors, dépendamment des voyageurs et notamment des cyclistes, certains embarquent même un petit tabouret, une petite chaise pliante. Nous, on n'est pas allé jusque-là. On tenait vraiment à être le plus léger possible. Donc, on avait juste un simple tapis, tout petit tapis, un petit carré pour le popotin. Et mine de rien, ça nous a bien aidé pour plusieurs raisons. Déjà, quand on avait envie de faire une pause et que on était sur du gravier, de la roche, ça nous permettait quand même d'être confort. Les cactus, ça nous aidait aussi à être tranquille quand il pleuvait, quand il y avait de la neige. On était au moins au sec quand on voulait s'asseoir, que ce soit sur un banc ou par terre. Ah oui. Et puis quand il a commencé à faire froid, c'était une petite couche supplémentaire qu'on mettait justement sous le tapis de sol. Ça nous permettait d'isoler un petit peu plus le matelas et Ah ouais. c'était pas inintéressant. Donc c'était vraiment multi-usage. Et en journée, je mettais ce tapis dans mon panier sous ma sacoche dans laquelle se trouvait mon appareil photo. Donc ça permettait aussi d'amortir un petit peu les Amorti. vibrations. Donc c'était vraiment multi-service. Et c'était Ouais. pour moi, c'est l'indispensable d'un voyage vélo. Ah, super, voilà, c'est noté. Alors, vous faisiez une moyenne, mais évidemment, ça changeait énormément. J'avais entendu de 70 km par jour avec des vélos de 40 kilos. Vous rouliez combien de temps par jour en moyenne? Parce qu'effectivement, dans les Andes, ça ne devait pas du tout être 70 km. Et puis, il y a d'autres où c'est tout, tout plat, ça devait être bien roulant. Mais en temps, je suppose que bon, ça dépendait aussi de l'effort, mais plus ou moins. Alors, ça dépendait pour le coup vraiment de là où on se trouvait, dans le sens où entre l'Alaska et le Canada, on avait quand même beaucoup de jours. On a eu le soleil de minuit, notamment en Alaska, donc on pouvait pédaler 8, 9, 10 heures par jour. Et auquel cas, on faisait autour de 80 km sur de la piste. Donc, c'est pas non plus. Le rendement n'est pas extraordinaire. Mais en moyenne, on pédalait 7 à 8 heures par jour. Amérique centrale, le soleil se couchait plus tôt. On avait la saison des pluies qui nous stoppait à 16 heures. Il faisait très chaud, notamment au Mexique. Donc, on ne pédalait pas entre 10 heures du matin et 16 heures de l'après-midi. Donc, ça réduisait grandement les possibilités. Et en Amérique du Sud, dans les Andes, pour le coup, on pédalait jusqu'à 8 heures par jour, mais ça nous est arrivé de ne réaliser que 20-25 km en 8 heures. Parce que justement, il fallait beaucoup pousser le vélo. On avait des portions soit ensablées, soit dans la boue, soit il fallait en effet beaucoup porter le vélo parce que le terrain était accidenté. Donc, c'est de la même manière, on avait un très faible rendement. De manière générale, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, on pouvait pédaler en moyenne 70 km par jour. Donc, c'est vraiment une moyenne. Et en Amérique du Sud, on était plus sur 40 km par jour.
C'est vrai que les terrains, on vous voit sur tous les terrains, quoi. Sable, mou, en montée en plus, hein, pas droit. Donc, avec les vélos, où il faut pousser, on vous voit sur la Oui, mais neige. après, On c'était vraiment voit. un choix. Hein. Les Andes, aujourd'hui, on peut les faire sur du bitume du nord au Oui, sud, mais du coup, on ne sort pas vraiment de la route. c'est ça. On ne s'élève pas trop non plus. Nous, on avait vraiment la volonté et l'envie d'aller dans des coins reculés. Donc, très souvent, on a pris des sentiers de randonnée, en fait, avec Ah les oui, vélos. ça vous avez vraiment fait. Oui, il fallait vraiment avoir envie, hein, parce que vous êtes mangé des cailloux, Ouais. vous êtes mangé. Toi, tu t'es même mangé un beau cactus, dis donc, mais c'est impressionnant de tomber dans un cactus, hein, parce que on voit que tu as après, avec Oui. l'épine qui t'était rentrée dans la main, mais elle est aussi large que la paume, quoi. Enfin, c'est la longueur de la paume de la main, quoi. C'est Oui, c'est ça. impressionnant. Alors, pour le coup, c'était une erreur technique de ma part. On en fait toujours, hein, même Bah oui. 20 000 km après. En effet, je suis tombée dans un ravin. On était sur ce qu'on appelle un single track, donc un sentier très, très étroit, plutôt un chemin de muletier, on va dire, qu'un sentier de randonnée. Et les cactus, en fait, m'ont arrêtée dans ma chute parce que je les ai agrippés, justement. Et donc, j'avais en effet des épines. Strictement partout dans mon corps, face A, face B, et certaines en effet qui transperçaient la main, d'autres qui étaient dans le ventre et qui ont été donc très difficiles à retirer sur place. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de redescendre et d'aller chercher tout simplement un hôpital pour avoir une anesthésie locale au moins. Et ça nous a pris près de 30 heures, en fait, à redescendre, à trouver une espèce d'ambulance qui, en fait, était ce qu'on appelle un collectivo, et réussir à joindre un hôpital. Donc, ça fait partie des aléas du voyage. On accepte la chute, hein, on n'a pas le choix. Quand on part sur une distance aussi longue, on est tenu et obligé d'accepter les accidents. Parce qu'on sait que ça peut arriver, on sait que ça peut être fatal aussi, et il faut être reconnecté à tout ça. On a, sur notre trajet, malheureusement, rencontré quelques personnes qui sont décédées. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, oui. C'est pas Oula, évident, des gens mais à vélo qui étaient où ça s'est mal terminé? deux personnes à vélo, en effet, qui sont décédées, et deux, trois alpinistes novices qui sont décédés en montagne également, au Pérou. Dans une avalanche, ils étaient avec un guide. Bon, ce sont des choses malheureusement qui arrivent, surtout quand on choisit d'aller dans la montagne de manière reculée. Les Andes, ce sont des vieilles montagnes très peu accessibles, pardon. Et on n'a pas de secours. Donc, moi, quand je suis tombée dans les cactus, je savais que personne viendrait me chercher. Et que si on n'avançait pas, on n'allait pas être héliporté. Il fallait se débrouiller tout seul. Et les cyclistes, qu'est-ce qui leur est arrivé alors? Les deux qui. Ça, c'est une histoire un petit peu triste. Ils ont été assassinés au Mexique, on imagine par des cartels. On pense qu'ils sont tombés au mauvais endroit ou au Au mauvais mauvais moment. Ils moment. étaient une semaine devant nous. C'était un Allemand et un Polonais, très connus dans le monde du vélo, Christophe et Holger. On essayait en fait de les rattraper parce qu'en fait, on avait beaucoup entendu parler d'eux. On avait très envie tout simplement de partager un petit peu de route ensemble. Et on n'a plus du tout entendu parler d'eux pendant un moment. On s'est posé une question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tombé dans la presse locale. On a appris que deux cyclistes avaient été découverts dans le bas-côté. Et on a tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Rien ne manquait sur les vélos. Ça a fait quand même un petit peu écho dans la presse internationale. Les vélos étaient intacts. Rien n'a été volé dans les vélos, en dehors de la GoPro. Donc, on imagine que malheureusement, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont vu ou filmé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû filmer. Ah mince. Voilà. Ouf. Mais vous aussi, vous avez été dans des endroits chauds, hein. Je sais pas, il y a un pays où vous avez un peu accéléré parce que je sais pas ce que c'était quoi ces barricades. C'est quel pays où il y avait tous ces barricades dans les Alors, rues ça, et... c'était au Nicaragua. En fait, le moment où on s'est senti le plus en insécurité, c'était vraiment un tout petit bout du Mexique, où là, il y avait en effet beaucoup de faits divers. Et de manière générale, les touristes ne sont pas inquiétés au Mexique. Il y a une espèce d'accord entre tous les cartels, parce que les cartels, c'est ni noir ni blanc au Mexique. Ce sont aussi des gens qui protègent en fait les populations locales de la police qui est aussi trempée et dans les trafics que les cartels. Donc, c'est vraiment une situation particulière. C'est une réalité qu'on ne connaît pas, nous, ici.
Donc, y a autant des choses magnifiques au Mexique que des choses tragiques et difficiles à accepter. Donc, c'est surtout au Mexique où on savait qu'il ne fallait pas pédaler de nuit, il fallait faire attention où on posait la tente. La plupart du temps, même la police nous indiquait de prendre l'autoroute à vélo plutôt que les petits chemins. Donc, c'est à contre-cœur qu'à quelquefois, on a dû prendre l'autoroute à vélo. C'est même un peu irréel, hein, jamais on ferait ça en France ou en Europe. Mais c'était de cette manière-là qu'on était en effet le plus sécure. L'Amérique centrale, on a ressenti le besoin d'aller plus vite pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, on est ce qu'on appelle dans un entonnoir géographique. Donc, il y a moins de terre et plus de concentration humaine. Il y a plus de bruit, il y a plus de gens, il y a plus de trafic aussi. Là, on est vraiment sur la panaméricaine, la route numéro 1, avec un trafic assez dense et intense. Il y a très peu de chemins de traverse. Donc là, c'est un petit peu usant, c'est difficile. Donc, instinctivement, on va plus vite. Et puis, il s'est passé plusieurs choses en Amérique centrale. On a évité de justesse une éruption un peu meurtrière au Guatemala qui a fait plus de 400 morts. Ah oui, quand même, C'est ouais. le volcan El Fuego qui entre en éruption de manière régulière toutes les 15 minutes, mais là, il a vraiment explosé et fait une coulée pyroclastique comme à Pompéi, tout simplement. Donc, ça a emporté plusieurs villages et c'était la route qu'on devait emprunter. Donc, on a eu de la chance dans notre malheur. En fait, on était un petit peu plus lent que prévu et on est parti le lendemain et ça nous a évité en fait cette éruption. Sinon, Okay. ça aurait été possible qu'on soit vraiment sur la route au moment de Ah l'éruption ouais. volcanique. Donc là, on a eu de la même manière envie d'accélérer. Ensuite, on a eu une traversée un peu chaotique du Salvador et Honduras dans le sens où il y avait beaucoup de problèmes avec les guerrilleros à ce moment-là. Donc, de la même manière, on essaye de pas trop s'attarder. Et on a eu une insurrection populaire, enfin, il y a eu une insurrection populaire au Nicaragua, la population qui s'est soulevée contre le président Ortega suite à une décision du FMI d'augmenter les taxes, notamment par rapport aux retraites. Et donc, ça a enflammé littéralement tout le pays. Tout était à l'arrêt, il y avait des barricades dans tous les sens. On était vraiment dans une insurrection. Oui. Donc, les paramilitaires étaient dans les rues, armés. Il y a eu beaucoup de morts au quotidien, notamment des enfants. Donc, chaque jour que l'on traversait ce pays-là, on avait des faits divers assez scandaleux d'une maman et son enfant mitraillés parce que le papa avait manifesté. Dans ces moments-là, on se pose la question, est-ce qu'on traverse le pays ou est-ce qu'on prend un avion? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on avait vraiment comme objectif de tout faire à vélo, de ne pas prendre de bus, de ne pas faire d'autostop, d'entièrement faire tout à vélo. Donc avant de traverser le pays, on s'est quand même renseigné. Est-ce que c'est sécure pour nous de le traverser? Est-ce qu'on se sent bien à le faire alors que justement il y a beaucoup de personnes qui sont en train de décéder dans le pays? On a rencontré en fait des personnes qui faisaient le trajet inverse et qui nous ont dit que clairement à vélo on peut passer sans problème, mais il faut compter 5 jours à faire 90 km par jour et à essayer d'aller assez vite pour limiter les dégâts. Et on s'est dit avec Jérémy, c'était un peu notre philosophie sur tout ce voyage-là, on n'a pas envie de détourner le regard, on n'a pas envie de fermer les yeux sur quelque chose qui se passe dans un pays. Si on peut le traverser et si c'est sécure pour nous, on va le faire. C'est la réalité du continent américain, c'est la réalité tout simplement de notre planète, de nos sociétés. Donc on va essayer quand même de le traverser, tout simplement, voir si on peut rentrer et faire au maximum pour déjà avoir assez de nourriture avec nous pour faire cette traversée-là et avoir un petit peu plus parce qu'on savait que les gens étaient coupés tout simplement de nourriture, ils n'avaient rien, il n'y avait pas d'essence, tout était à l'arrêt, littéralement. Donc on a pris un sacré paquet de nourriture dans les sacoches et lors de notre traversée du Nicaragua, très souvent le soir, on était invités chez des locaux et là on partageait ce qu'on en avait emporté avec nous, histoire d'aider un petit peu et puis surtout passer un bon moment avec ces populations locales. Ça nous a permis aussi d'avoir une vision de l'intérieur. Dans le sens où à l'époque les médias étaient interdits au Nicaragua, c'était compliqué d'avoir des informations. Même l'ONU n'arrivait pas à envoyer des émissaires. Donc quand on est passé, on a vraiment pu avoir une impression très, comment dire, bah, de l'intérieur tout simplement de ce qui se passait au Nicaragua. On en a parlé beaucoup avec les enfants, avec les écoles, notamment avec des lycées qui nous ont suivis. Et c'était un point de l'histoire assez intéressant à vivre, mais clairement, on n'était pas content d'être là.
C'est-à-dire qu'on s'est un peu bataillé avec nous-mêmes sur notre présence sur place. On s'est posé 1000 questions sur notre intérêt à être là-bas, d'où l'envie d'accélérer et d'aller très, très vite. Ouais, je comprends. Mais tiens, puisque viens de parler de nourriture, ça c'est un point qui tracassait mon autre petite fille, Amandine. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant votre voyage? Elle a regardé un peu avec moi, c'était justement un moment où vous faisiez votre petite tambouille. Alors elle dit, ah ouais, il mangeait quoi alors? Je sais pas, à mon avis, ça a dû changer quand même un petit peu du nord au sud, mais on va poser la question. Oui. Merci Amandine pour ta question. C'est vrai que du nord au sud, on n'a pas du tout mangé la même chose. En Amérique du Nord, on mangeait beaucoup de sec parce qu'on voulait éviter d'attirer les ours. Donc on avait essentiellement du riz, des pâtes, des champignons et des tomates séchées. Et on voyageait avec ça. On avait un petit peu de viande séchée qu'on avait sous vide pour un peu de protéines ou alors des lentilles qu'on cuisait avant quand on s'arrêtait une fois par semaine. Mais sinon, voilà, que du sec quasiment en Amérique du Nord. Amérique centrale, on mangeait beaucoup dans les bouibouis et dans les restaurants de rue qui, pour le coup, étaient vraiment peu chers et délicieux. Au Mexique, on mangeait des fruits et des légumes frais incroyables, mangue, avocat, tomate, radis, concombre, des tapas, des tortillas. C'était vraiment très, très bon. Et Amérique du Sud, on a recommencé à manger beaucoup de sec pour la simple et bonne raison qu'on avait des autonomies de nourriture à faire, on croisait très peu de villages et donc c'était important d'avoir beaucoup de sec avec nous. Là, ce que l'on faisait beaucoup quand on s'arrêtait une fois par semaine, c'est qu'on faisait sécher beaucoup de légumes. On demandait soit à des locaux de nous aider, soit on avait un petit four ou quoi que ce soit dans la petite chambre qu'on louait pour pouvoir justement sécher nos légumes. On avait de temps en temps des fruits, mais je vous avoue qu'entre le Pérou et la Bolivie, on n'a quasiment pas mangé de fruits. On a pris beaucoup de fruits secs. Et ça nous aidait un petit peu justement à combler les carences. Sinon, c'était beaucoup, beaucoup de sec. Voilà. Ok. Tiens, tu as parlé des ours. Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport entre le dentifrice et les ours? Oui, alors en fait, c'est un ami Ça m'a français bien qui fait nous a rire, ça. avertis avant de partir, qui s'appelle Rémi Marion. C'est un grand spécialiste des ours et notamment de l'ours polaire. Il nous a dit une chose intéressante, parce que lui, pour le coup, il a beaucoup d'expérience en la matière. Il nous a dit, Sophie Jérémy, en Amérique du Nord, faites attention à votre dentifrice. Si vous vous brossez les dents et que vous voulez cracher, soit vous enterrez ce que vous crachez, soit vous utilisez un dentifrice justement qui s'avale, on n'a pas besoin de cracher, parce que cette odeur menthe assez prononcée va attirer l'ours. Ce n'est pas une odeur qu'il a l'habitude de sentir, donc c'est une odeur très forte. L'ours, il a un odorat qui est très développé, qui lui permet de sentir une odeur à 50 km à la ronde. Donc, Cinquante. s'il sent un dentifrice, et si par exemple on crache notre dentifrice dans une rivière, il est capable de remonter l'odeur de la rivière jusqu'à notre campement. Donc, nécessairement, il faut faire attention à ce genre de petits détails. Donc, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, jusqu'au Canada, on avait un dentifrice à croquer que l'on pouvait avaler, qui était comestible. Et ça nous évitait, entre guillemets, les petits désagréments, ou du moins, ça nous faisait un petit peu moins peur de camper dans la nature avec ce dentifrice que l'on pouvait croquer et avaler. Ouais, donc j'avais le dentifrice, ça m'a fait le plus rire, mais il y a aussi les parfums, enfin toutes les odeurs fortes et un peu inhabituelles qu'il faut éviter, évidemment, les odeurs de bouffe, pas juste à Oui, côté de voilà, la c'est ça. tente, mais On le cuisine dentifrice, assez j'aurais jamais loin. pensé. On cuisine assez loin de la tente, justement. On s'endort avec des vêtements différents. Et la sacoche avec la nourriture, on essaye de la mettre à 200 mètres à peu près de la tente pour éviter justement d'attirer les gourmands. Ouais. Mais de manière générale, on n'a pas trop eu de problème avec les ours. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, les ours ont beaucoup plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. Dès qu'ils entendent une voix humaine, pour eux, c'est signe qu'il faut partir, parce que l'homme est généralement armé et donc du coup, ça fait peur. Nous, on n'avait pas d'armes, on avait juste une bombe à poivre, on ne s'en est jamais servi, on a toujours eu des rencontres très paisibles, très agréables avec les ours, on en a quasiment croisé tous les jours, en fait, Ah, d'accord. entre l'Alaska et le Canada. Et puis surtout, à la fin, au Canada, il se trouve que donc, on était au début d'automne, donc la fin août.
les saisons sont un petit peu plus marquées, un peu plus rapides dans ce coin-là du nord. Et à ce moment-là, les ours mangent beaucoup de baies. Il y a beaucoup de framboises, beaucoup de myrtilles. Donc, on savait qu'en fait, les nounours avaient le ventre plein de baies délicieuses. Et donc, là, les humains, ils n'en avaient absolument plus rien à faire. Donc, c'était vraiment des rencontres très, très agréables. Du moment qu'on ne laissait pas de les approcher pour autant. Et je crois que c'est 30 mètres, c'est ça, hein, la distance où on pouvait se voir, mais pas spécialement prendre des risques, quoi. C'était la bonne distance Oui, voilà. Après, pour on le sent très s'observer vite aussi. paisiblement. On le sent très vite. Si un ours commence à hocher de la tête, on est trop près. Mais généralement, les rencontres assez près qu'on a fait avec les ours, notamment avec un jeune adulte, le jeune adulte, il a pris peur et il s'est éloigné de lui-même, en fait. Nous, on s'est arrêté, on a regardé, en fait, on entendait des bruits un petit peu de pas derrière des feuillages. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose, on s'arrête, on fait un peu de bruit, on fait sonner un petit peu la sonnette du vélo, on parle fort, on chante même, on appelle l'ours en anglais, parce qu'on aimait bien le faire en anglais. Hey there! Et là, les ours s'en allaient, donc aucun problème à ce niveau-là, tant qu'on ne les surprend pas. D'accord. Donc, quand on arrive dans ces énormes paysages, ça c'était le début du voyage, Alaska, Canada, qu'est-ce que ça fait de voir des étendues telles comme on n'en voit que très rarement en Europe? C'est un appel à la liberté, clairement. En fait, c'était vraiment la promesse et l'envie pour nous de retrouver justement ces grands espaces et de nous fondre dedans. Donc, en fait, on a l'impression de ne faire qu'un avec ces grands espaces. Quand on dort, quand on évolue dans la nature, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que nos sens se développent de manière vraiment exponentielle. On sent beaucoup mieux, on entend beaucoup mieux, on voit mieux. Et tout ça, c'est corrélé avec le fait d'être dans des grands espaces où on n'a pas de perturbations sonores humaines. Et ça, c'est assez extraordinaire. Le simple fait de voir aussi loin, en fait, notamment en Alaska, on était capable de voir 200 km, 300 km devant nous. Ça, c'est quelque chose, en effet, que dans notre petite Europe, on n'a pas, voire peu. Donc, c'est une sensation de grandeur, une sensation, d'être écrasé, en fait, dans une géographie. Et ça rappelle à sa propre place, humaine, en fait, dans ce grand tout. Et ça fait philosopher beaucoup. C'est un petit peu, justement, le grand nord, les grands espaces de Jack London. Ça nous transcende, c'est magique. Donc, C'était une ça nous super, connecte. ouais. C'était une Oui, super oui, oui. préparation au fait de parler avec des natifs américains, des indiens, donc comme on dit, qui tu avais fait une belle rencontre aussi avec une dame qui justement expliquait l'arrivée des Blancs. Et puis ils avaient aussi cette connexion hyper forte avec la nature. Oui, c'est vrai que l'ensemble, en fait, on a commencé en fait ce voyage-là avec une rencontre décisive qui n'est pas du tout dans le film, parce que je n'avais pas souhaité la filmer tout simplement. Elle s'appelle Kathleen. Le voyage a commencé avec cette rencontre décisive, on va dire, qui nous a donné une certaine paire de lunettes. Elle n'est pas du tout dans le documentaire parce que je n'ai pas souhaité la filmer. C'était vraiment au début, un moment difficile aussi dans le voyage. On n'en a pas du tout parlé, mais j'ai eu un accident au bout de 7 jours. Et cette femme, en fait, nous a recueillis après mon accident. Elle nous a initiés vraiment à la culture Athabascane, donc des natifs d'Alaska. Elle nous a appris les légendes, elle nous a appris quelles plantes sont comestibles, quelles baies on peut manger, à savoir qu'en Alaska, on peut manger toutes les baies. C'est un petit coup de pouce de la nature. Elle nous a vraiment initiés, on va dire, à cette culture amérindienne qui est très présente en fait du nord au sud, que ce soit donc en Alaska avec les Athabascans, ensuite les Premières Nations au Canada, les natifs des États-Unis, et puis ensuite les Mayas en Amérique centrale, les Aztèques, mais bon, c'est plutôt Maya, ensuite les descendants Incas, etc., d'Amérique du Sud. On a juste suivi le chemin de l'homme, donc de l'homme qui a passé le détroit de Bering et qui est descendu. On a suivi ce chemin-là. Et donc, ça nous a connectés vraiment avec toutes ces populations qui ont un lien très particulier à la nature, un peu animiste, mais voilà, la terre-mère, la Pachamama en Amérique du Sud.
Et c'est vraiment une réflexion que l'on a mûrie sur tout ce trajet-là. Et ça a été très inspirant du nord au sud de rencontrer toutes ces populations natives. On n'en a quasiment pas filmé parce que ce voyage, c'était aussi un voyage personnel. On avait envie de découvrir, de s'inspirer, d'apprendre, de nous enrichir. Et donc ça passait nécessairement par mettre la caméra de côté, tout simplement, pour certaines rencontres. Ça prime, bien sûr, sur l'envie de film, sur l'envie de partager des choses. Et donc toutes ces rencontres-là, elles nous ont vraiment, ouais, c'est un peu l'expression, donner une paire de lunettes pour voir le continent américain. Et comprendre la relation que les hommes ont avec la nature, qui est très belle, très poétique, un petit peu bafouée avec l'imprégnation, on va dire, nord-américaine en Amérique du Sud. Mais ce sont des rencontres qui marquent et qui donnent à réfléchir clairement sur nous, quel héritage nous avons européen, spirituel ou du moins voilà, naturel à ce niveau-là. Et c'est ce qui nous a amené avec Jérémy, en rentrant en France, à chercher justement quel lien on a avec la nature. Et c'est ce qui va donner lieu à un prochain projet, documentaire, pour l'année prochaine. Ah, super, un des projets. Non, ça, c'est super intéressant. Moi, je parlais aussi avec quelqu'un d'autre qui va être au Festival Into the Wild, qui a aussi fait à vélo les Amériques et qui a aussi retenu de ses rencontres quelque chose de très riche sur l'approche spirituelle, finalement, de la nature, ce respect, ne rien détruire sans justification, ne prendre que ce qui est nécessaire et retrouver ouais, un peu le sacré de ce qui nous entoure. On n'est Le pas sacré, le simple. propriétaire avec des ressources à exploiter, mais partie prenante de quelque chose. Ouais, c'était beau. C'est un peu ça dont vous avez parlé avec Kathleen et... Oui, en fait, c'est même en dehors de l'aspect écologique, c'est vraiment une vie raisonnée, en fait, une vie connectée avec les éléments. En fait, quand on vit comme ces personnes-là, très proches de la nature, on comprend l'interdépendance de tout. Et donc, quand on comprend cette interdépendance et qu'on vit au quotidien dans ces éléments-là, nécessairement, on a envie d'en prendre soin. On défend ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend. Et donc, ça passe évidemment par cette relation particulière à la nature. Et c'est vrai que c'est ce qui manque peut-être un petit peu aujourd'hui dans nos sociétés, mais en fait, quand on réfléchit un petit peu et qu'on creuse un peu dans nos racines, on a aussi cet héritage-là. Il faut juste le chercher, s'y intéresser. Et on a la réponse aussi chez nous. Mais ça nécessite en effet de faire la démarche de s'y intéresser, ça c'est sûr. On Ouais, n'a pas ouais, ouais. forcément besoin de chercher l'inspiration. Bien sûr, c'est inspirant, cette relation que les Amérindiens ont avec la nature, mais on peut retrouver ça chez nous aussi. Ouais. Si on ne passe plus notre temps entre quatre murs chez nous pour passer dans la voiture et c'est qui nous effectivement qui nous sépare de l'extérieur pour entrer dans un bureau où on est aussi séparé de l'extérieur, on ne se rend plus compte Bien qu'effectivement, sûr. Mais c'est vrai que c'est notre réalité aussi, et c'est difficile de tout changer, tout chambouler. C'est des petit à petit, on peut réussir à quelque chose, Ouais, ouais. tout à fait. Justement, dans l'esprit des Amériques, l'esprit de la Terre de Feu, il y a quelqu'un qui a dit, dans la vie, rien n'est terrible, tout est possible. Tu peux nous parler aussi de l'esprit de la Terre de Feu qui t'avait marqué? Oui, alors cette personne-là qui nous a dit cette phrase-là, c'est assez allégorique encore une fois, dans le sens où c'était 2 jours avant d'arriver à Ushuaïa. C'est une femme qui tient un petit bar, un restaurant sur la route justement d'Ushuaïa. Et cette femme venait de perdre son mari, avec qui elle a tenu ce restaurant depuis plus de 40 ans. Donc c'est vraiment l'histoire de son couple, l'histoire de sa vie avec son feu mari. Que ce soit elle en fait qui nous dise ce genre de choses à 2 jours d'arrivée à Ushuaïa, ça prend vraiment tout son sens et ça prend énormément de signification. C'est quelqu'un qui était dans le deuil, qui était dans la douleur, dans la difficulté. Et qui en plus de ça devait tenir son restaurant toute seule maintenant. Ses enfants étaient partis, elle était vraiment toute seule, livrée à elle-même, avec beaucoup de routiers, beaucoup de personnes qui viennent dans son restaurant. Et quand cette femme-là vous dit, dans la vie, rien n'est terrible, tout est possible, tout prend du sens. Tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a ressenti, toutes les difficultés du voyage,
elles prennent cette couleur-là, elles prennent ce sens-là. Et c'est vrai que c'était une magnifique, on va dire, conclusion, en fait, à ce périple-là. La Terre de Feu, c'est un peu un mythe, c'est une légende vivante, physique, qui est très mystique, qui c'est un pays à part balayé par le vent, qui a été complètement déforesté à un moment donné, et depuis peu, en fait, il y a à nouveau des arbres sur une partie de l'île. Mais il y a ce côté un peu désolé, trahi un petit peu de la Terre de Feu, où ça fait pas si longtemps que les derniers natifs ont disparu, en fait, de cette terre-là. Ça laisse beaucoup de traces, on le sent. On le ressent vraiment, que ce soit dans les gens ou dans la nature, tout simplement. Il y a quelque chose de dramatique, en fait, dans cette terre de feu-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de puits de pétrole sur une partie de l'île. Donc, on arrive là, et mine de rien, c'est assez particulier, en fait. C'est l'endroit que l'on a rêvé pendant 2 ans et demi. Et quand on y arrive, on découvre quelque chose de tragique. Donc, c'est assez symbolique aussi. C'est-à-dire ça prend tout son sens de dire c'est pas la destination qui compte, mais tout le trajet, tout le cheminement pour y arriver. C'est vraiment ça. On arrive à Ushuaïa en plein hiver austral, en plein mois d'août. Il y a très peu de monde, mais c'est une zone très industrielle. On passe les dernières montagnes des Andes qui se jettent littéralement dans la mer, et on arrive dans cette zone industrielle qui est dédiée au tourisme et qui est dédiée à l'industrie. Autrement dit, ça ne fait pas rêver. Non, pas du Mais en tout. fait, c'est la réalité de notre planète. Elle est comme ça. Elle est belle et moins belle. Elle est lumineuse et sombre. C'est très allégorique. C'est une pensée aussi qu'on a beaucoup travaillé sur ce voyage-là. On ne peut pas apprécier la lumière si on n'accepte pas l'obscurité. On voit les étoiles parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait noir. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment ce que l'on a ressenti en arrivant à Ushuaïa. Pendant 3 semaines avant d'arriver, c'était la toute première fois que sur notre carte téléphonique, à l'échelle à laquelle on regardait en fait les cartes, on voyait enfin le point final. Et donc ça marquait vraiment la concrétisation de ces 2 ans et demi de voyage. Et c'est venu de manière très naturelle. On a commencé, Jérémy et moi, chacun de notre côté, à entrer en espèce d'introspection, et on s'est quasiment plus parlé pendant ces 3 dernières semaines. On n'avait plus besoin de se parler. On se levait le matin, on faisait la popote, on faisait le petit déjeuner, on partait, et là, on pédalait comme jamais on avait pédalé, en fait, sur toutes les Amériques. On faisait du 140, du 150 km par jour. On avait l'envie d'arriver jusqu'en bas. En même temps, on est sur du plat, on est à la fin de la pampa, c'est tout droit, il n'y a pas de vent. Donc, c'est un appel, en fait. C'est un appel à avaler les kilomètres. Et c'était aussi un appel à commencer la digestion du voyage. Tous les jours, en fait, on vomissait littéralement des émotions. On pleurait chacun de notre côté. On était vraiment dans une période où on avait besoin de ce calme, de cette introspection personnelle, pour se remémorer un sourire, un visage, une lumière, un lever de soleil, un coucher de soleil, une tempête, une goutte d'eau. Et ça prenait tout son sens. Et c'est peut-être là, en fait, ce court instant de 3 semaines où tout était concret. Et une fois qu'on est arrivé à Ushuaïa, tout est redevenu abstrait, en fait. Avec Jérémy, on est très émotif, on pleure beaucoup. C'est de cette manière-là qu'on arrive à s'exprimer. Et bizarrement, arrivé à Ushuaïa, on n'a pas du tout pleuré. Au contraire, on était très serein, très équilibré, dans un sentiment d'accomplissement total, en fait. Et c'était un moment extraordinaire de, justement, plénitude, de calme le plus total. Et c'était l'apothéose, on va dire, du voyage. Ouais. Ah, c'est beau cette fin de voyage. Franchement, là, ça m'émeut aussi. Non, vraiment. Je jure. Moi, j'ai encore les poils qui s'hérissent quand j'en parle. Hein, Oui, c'est passé là. C'est passé, je l'ai ressenti aussi. C'est vrai que c'est. Ouais, je peux comprendre bien. J'étais là. Tu racontes ça bien. Justement, c'est une question qu'on vous a beaucoup posée. C'est être quelque part tout le temps l'un avec l'autre en couple. C'est un challenge en soi aussi. C'est intense. Donc, ça se passe, si ce n'est pas indiscret, ça se passe comment?
Non, non, en effet, c'est pas du tout indiscret, c'est une question que tout le monde se pose et à Oui, juste titre, nous aussi on se l'est posé en partant, on s'est dit comment ça va ben se passer? oui. Ça passe ou ça casse. Oui, exactement. Avant de partir, en fait, on était ensemble depuis 3 ans. On avait chacun donc voyagé déjà beaucoup en solitaire et pas tant en couple. On a traversé quelques îles européennes à pied, mais c'était sur une semaine ou 2 semaines de randonnée, donc pas forcément plus. On s'est très vite rendu compte avec Jérémy qu'on avait tous les deux les mêmes envies et le même trajet, le même point final, mais pas forcément les mêmes moyens d'y arriver. Jérémy, plus sportif que moi, avait beaucoup plus envie de challenge et de s'éprouver physiquement, quand moi, j'avais plus envie de ralentir, faire de la photo, faire de la vidéo, enregistrer des sons, m'imprégner un petit peu plus du territoire. Et donc, il a fallu trouver très vite les compromis, en fait, pour Jérémy aller un petit peu moins vite et moi aller un petit peu plus vite. Ça nous a pris un bon 6 mois à trouver cet équilibre-là. Et pendant 6 mois, c'était électrique entre nous deux. On a vraiment tâté du terrain et tiré la corde le plus loin possible pour essayer de voir justement où est-ce que l'on pouvait trouver cet équilibre-là. Ça a donné lieu à des grosses tempêtes de couple, Bah oui, forcément. à ne pas se parler pendant plusieurs jours, mais là, c'était subi, hein. C'était pas voulu, c'était subi. C'était pas contemplatif comme à la fin, oui. Non, 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 mais parce qu'on se posait vraiment la question, est-ce qu'on va y arriver tout simplement? Est-ce qu'on va arriver à trouver cet équilibre entre nous deux? Et il a fallu, voilà, à un moment donné, on est allé très très loin dans l'énervement pour tout mettre à plat et on n'a pas le choix en fait. On vit quelque part dans un huis clos. Quand bien même on est en extérieur, quand bien même on vit quelque chose d'extraordinaire dans le grand tout, on est quand même un petit peu enchaîné l'un à l'autre à vivre dans une tente de 2 mètres carrés. Si on ne communique pas, ça va devenir infernal en fait. On n'a pas envie de dormir tête bêche à sentir les pieds de l'autre, donc il faut parler. Surtout après avoir autant pédalé, écoute, non, voilà. C'est une bonne motivation. Non, non, il faut mettre à plat tout ça et on a mis les choses à plat. Ce qui était compliqué aussi à l'époque, c'est que j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais filmer. C'est compliqué, c'est flou, hein. Comme je disais, c'est abstrait, c'est difficile de se projeter sur 2 ans et demi. J'étais pas partie avec une idée précise de ce que je voulais filmer. Et ça, mine de rien, c'est ce qui a aussi compliqué les choses. C'est que pour Jérémy, de son côté aussi, c'était flou et c'était compliqué. Donc ça n'a vraiment pas aidé dans la situation. Mais on a beaucoup communiqué, on a mis les choses à plat. Et là, on a trouvé au fur et à mesure, bien sûr, un terrain d'entente. Si bien que justement à la toute fin, on était vraiment en osmose complète à se comprendre l'un l'autre. Et j'ai pas envie de dire que ça a pris 2 ans, mais ça a pris, je pense, oui, une bonne année, mine de rien, quand même, à trouver le bon équilibre et à ce que Jérémy apprécie aussi tous ces moments où on filme. Parce que c'est un petit animal sauvage, il n'aime pas trop se faire filmer. Jérémy, ça ne se ressent pas trop dans le film. Non, ça se Et ressent pas du tout. j'ai pris évidemment les meilleurs moments où il partage beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'était un petit défi pour lui de se laisser filmer, de filmer. Et de la même manière pour moi, c'était un défi personnel aussi d'accepter de ranger la caméra et d'aller un petit peu plus vite. Donc ça a été un voyage dans le voyage et on s'est très vite rendu compte que la meilleure manière de procéder, c'était de mettre l'équipe par-dessus le couple. Et c'est de cette manière-là qu'on a réussi à avancer. Comment est-ce qu'on Le met l'équipe couple, au-dessus du couple, hein? C'est eh bien c'est passionnant, tout ça. simple. C'est qu'en fait, quand on est dans l'effort, quand on est dans la difficulté, on pense à faire avancer l'équipe, on ne pense pas à faire avancer le couple. Le couple, on le met de côté. On ne réfléchit pas à de quelle manière on peut faire évoluer notre relation amoureuse dans la géographie. Non, on réfléchit à comment est-ce qu'on fait pour traverser cette tempête, comment est-ce que l'on fait pour, si je suis fatiguée, c'est Jérémy qui monte la tente et qui fait la cuisine et moi je me repose. Et inversement, si c'est Jérémy qui est fatigué, c'est moi qui monte la tente, je le laisse de son côté avec son carnet d'écriture, il se plonge dans son écriture et moi je fais la cuisine, je fais la vaisselle et je monte la tente parce que ça lui permet d'avoir un petit temps de répit. On réagit comme ça en fait, on réagit plus, on met l'ego de côté en fait. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à mettre l'équipe au-dessus du couple.
Ouais, belle leçon en tout cas, c'est vrai. Maintenant, vous avez la recette. Comment faire quand c'est difficile? C'est ça. Un moment que j'avais bien aimé aussi, c'est le passage de la frontière du Mexique. On entend tellement parler de cette frontière. C'est trop marrant de voir que c'était mieux à vélo qu'en voiture déjà. Je ne m'attendais pas à voir ces embouteillages monstres et puis un tel contraste. Tu peux me parler de tes impressions de ce passage de la frontière? Oui, alors c'est assez particulier. On Je a fait trouve le ça choix assez avec dense, ouais. Jérémy avec Jérémy de ne pas aller voir le mur. Parce qu'en fait, il est quand même bien visible, hein, ce mur. Il descend même jusqu'à la mer, jusque sur la plage. Donc c'est assez symbolique. Mais nous, on a fait le choix de se laisser guider par la route qui nous emmenait justement à cette frontière-là. On allait voir si on allait le voir ou pas. Et il se trouve que il est complètement noyé dans l'urbain, dans la ville. Tijuana, c'est une ville qui s'est beaucoup beaucoup développée depuis quelques années, parce que justement il y a beaucoup de Mexicains qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, et donc ils décident d'avoir une vie dans Tijuana, et donc de créer un commerce, etc. Ce qui fait que Tijuana c'est devenu un boom économique, clairement. Et un boom démographique, donc ça construit vraiment partout des quartiers entiers de nouvelles maisons, si bien que le mur est complètement noyé, et il y a donc une frontière pour voitures et une frontière pour les piétons, parce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui passent la frontière pour travailler sur San Diego, et qui du coup ont besoin, et pour eux c'est plus simple de faire la frontière à pied. Donc nous c'est la frontière qu'on a empruntée, donc on passe un portique tout simplement, et une fois qu'on se retrouve de l'autre côté, on passe le passeport français, hop, on a 3 mois de visa touristique. Nous on a payé 50 dollars pour avoir, 50 pesos pardon, pour avoir un visa de 6 mois. Parce qu'on savait que le Mexique allait être long à traverser. C'est plus long que la traversée des États-Unis Ah en ouais, termes carrément. d'étendue. Oui. On ne se rend pas compte Non. sur carte, parce qu'en fait, il est justement un peu écrasé sur le planisphère. Oui. Mais le Mexique est beaucoup plus étendu que les États-Unis. Ah ouais. Donc voilà, on passe la frontière de manière très sereine. On se retrouve de l'autre côté. Et là, on change littéralement de monde. On arrive en Amérique latine. Il y a beaucoup plus de bruit. Il y a évidemment tout ce flot de voitures américaines qui attendent de passer la frontière de l'autre côté pour rentrer aux États-Unis. Et ça peut prendre des heures, tu disais, hein? Ça peut prendre jusqu'à 8 heures. Ouais, c'est fou, 8-10 ouais. heures, les voitures sont arrêtées parce qu'évidemment, les douanes fouillent de fond en comble toute la voiture, etc. Donc c'est impressionnant de voir ça. Nous, on passe sans encombre. Pour les Mexicains, c'est évidemment moins facile. En Basse-Californie, donc cette péninsule qui est la prolongation de la Californie, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes. Souvent dénudés, on ne sait pas pourquoi. Ils avaient quasiment plus de vêtements, donc dénudés, complètement livrés à eux-mêmes, parfois même en marchant sans chaussures, en direction de la frontière. Ah C'est arrivé très 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 souvent que l'on donne de l'eau, des fruits, une pomme, une barre céréale à ces gens. On ne savait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ouais. pourquoi ils se sont retrouvés sur la route de cette manière-là. Potentiellement, ce sont des personnes qui ont été chassées de leur village, on ne sait pas. Oui. Mais bon, dans le désert, on ne laisse pas quelqu'un sans eau, Non. on ne laisse pas quelqu'un sans rien à manger. Et c'est des personnes qui marchent, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de carte, ils ne savent pas où ils vont. On sait juste qu'ils veulent aller en direction de la frontière. Donc c'est aussi la réalité de cette partie-là du Mexique, où la plupart des Mexicains voient encore les États-Unis comme un Eldorado. En revanche, et ça c'est le discours vraiment que l'on a entendu de la part de la majorité des Mexicains, ils ne veulent pas finir leurs vieux jours aux États-Unis. Ils vont travailler 10-15 ans aux États-Unis et ensuite ils vont revenir au Mexique pour finir leurs vieux jours au Mexique. Parce que ça reste leur terre de cœur, leur terre natale, et que pour rien au monde, ils resteraient aux États-Unis. Euh, c'est, c'est un paradis, mais un enfer en même temps pour eux. Ouais. Donc, ils y vont faire de l'argent et après, ils rentrent chez eux. La Patagonie en plein hiver austral, je t'ai entendu dire que c'était que du mental. Tu l'as dit plusieurs fois des endroits qui sont vraiment dans le mental, dans le voyage. Alors, qu'est-ce que tu fais pour continuer, pour t'encourager quand tu as un coup de mou? Donc, quelle est ta recette mentale? Alors, c'est un peu particulier. Ma recette mentale, en fait, elle est liée déjà à mon premier accident.
qui a eu lieu en Alaska. Ouais, t'as eu J'aime un à baptême du dire, feu tout de suite, hein. voilà, j'ai un petit accident, un gros accident avec un camion, j'ai eu un traumatisme crânien et la tête de Ouais. l'humérus cassée. En fait, cet accident, pour moi, il a vraiment scellé tout le reste du voyage, dans le sens où on a choisi de retourner sur les lieux de l'accident un mois et demi après la convalescence, parce qu'on a eu la chance, voilà, d'être hébergé par cette femme qui s'appelle Kathleen, qui nous a permis de nous reposer et de reprendre des forces sans avoir besoin de rentrer en France d'un point de vue financier. Et donc retourner sur les lieux de l'accident, ça nous a emplis d'une force vraiment sans nom. J'ai vraiment du mal à l'expliquer, ce qui s'est passé là-haut. Mais quelque part, c'était un peu l'absolution. C'était accepter justement la chute, accepter la fatalité et accepter que ce voyage allait être compliqué. Si bien que par la suite, après cette première étape difficile, tout le reste, entre guillemets, bien sûr, c'était du pipi de chat. C'était beaucoup moins difficile que cette première grande et lourde épreuve à laquelle on a dû faire face dès le début du voyage. Encore une fois, ce qui nous a aidé aussi justement à avancer, c'était d'avoir des petits défis à la semaine, voire à la journée. Et c'est comme ça qu'on avance. Quand on est en Patagonie, en plein hiver austral, on fait du vélo pendant 2 mois en plein hiver, donc il fait entre moins 10 et moins 15 au quotidien. C'est pas les moins 25 du Canada qu'on a eu au début, mais quand même, ça reste quand même assez intense. Pédaler dans la neige, c'est très demandeur, c'est très physique. C'est très dur, ça fatigue énormément. On a peu de soleil dans la journée, donc on est épuisé justement par ce manque de lumière. Ce qui nous tient pour le coup, et ce qui, on va dire, mon petit secret pour la Patagonie, c'était le dulce de leche. Ah, le lait concentré sucré ou quelque Et, chose comme non, ça. non, Non, c'est la c'est pas ça, confiture. c'est une Non, c'est la confiture. confiture de lait. Confiture, ouais, de lait. Ah, La d'accord. confiture de lait, et on était capable de manger un pot complet avec Jérémy par jour. Et là, pour le coup, c'est ce qui nous a aidé à endurer voilà, cet hiver austral. Et à côté de ça, il y avait aussi tout le bagage émotionnel qu'on a eu pendant ces 2 ans. On était fort, en fait, mentalement, de toutes les expériences que l'on a vécues. Et simplement se retourner et se dire, waouh, je suis à la fin des Andes, j'ai traversé toutes les Andes. Je ne les ai pas traversées en me disant je vais traverser 10 000 km de montagne. Non, je les ai traversées en me disant je vais faire ce col de montagne aujourd'hui, ou ça va me prendre 2 jours, mais ce n'est pas grave, je vais y arriver quand même. Et plus on fait de col de montagne, plus on se fait des petits défis personnels, plus en fait on se retourne et on se dit mais si j'ai fait ça, il n'y a pas de raison que ce qui est en face de moi, j'y arrive pas en fait. Donc je vais prendre les choses petit à petit et de cette manière-là, je vais y arriver avec mon pot de dulce de leche par jour et avec cette envie irrépressible d'arriver jusqu'en bas. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Il y a aussi quelque chose de chimique hein, qui se crée quand on fait du vélo sur une distance aussi longue. On dégage beaucoup d'endorphines, de dopamine et on devient quelque part complètement addict à cette sensation-là sur le vélo. Parce qu'en fait, on se rend très vite compte que quand on est à vélo, on fait des micro-choix tout le temps. On fait tout le temps un choix. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Où est-ce que l'on va dormir? Quand est-ce qu'on va manger? Est-ce que ce nuage-là, il est dangereux? Comment est-ce que je dois imaginer la suite de mon voyage? Et ces micro-choix quotidiens, c'est des micro-satisfactions. Et on devient accro aussi à ces micro-satisfactions qui font que tous les jours, on est content d'avoir fait ce choix, on est content d'être allé par ici, on est actif tout le temps. Et ce côté actif, il est extrêmement agréable à vivre en fait. On se sent bien dans sa peau, on se sent en équilibre, et donc on a envie de perpétuer ça. Donc on avance, donc on continue. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être très complet parce que vous avez parlé aussi que c'était important. Enfin, je crois que c'est toi qui avais dit dans notre interview que tu avais envie de scanner avec ton corps, hein, vous aviez envie de scanner avec votre propre corps tous les climats des Amériques, et après tu dis à la fin avoir pédalé avec ton cœur. Donc je me dis, oui, il y avait l'aspect spirituel, il y avait l'aspect vraiment le ressentir finalement, cette géographie, la ressentir, et puis le cœur, c'est tout ce dont vous êtes enrichi alors qui aide finalement à avancer aussi. Et oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'on s'élève tous les jours un peu plus à pédaler comme ça sur le continent américain. C'est valable partout, hein, bien sûr, hein, mais je fais référence à ce que l'on a vécu.
On s'élève tous les jours parce que soit on découvre une nouvelle plante, une nouvelle espèce d'oiseau, un nouvel animal qui signe vraiment notre avancée géographique. Et ça, c'est transcendant de voir justement la géographie évoluer, de voir les saisons changer, de se sentir nous aussi changer dans ces environnements-là. C'est magnifique en fait. Ouais, pour moi, c'est ce qui donne du sens à notre vie, c'est de sentir tout ça. Et donc, bien entendu, on a envie de continuer à vivre toutes ces choses-là, donc on avance. Ouais, clair. Et les ingrédients pour vivre, les qualités, les ingrédients pour vivre, les plus utiles pour vivre une aventure comme la vôtre. Tu reviens en disant ça, c'était vraiment important, ou ça, c'est indispensable. Les ingrédients, on va dire que pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur d'avoir peur, déjà. Parce que cette peur-là, elle est motrice, elle nous aide à avancer, justement, que ce soit la peur des ours pour nous à l'époque, ou bien la peur des Andes, tout simplement, de ces colosses rocheux, minéraux. C'est ce qui nous a motivés, justement, à nous dépasser, à aller de l'avant. Et c'est en ayant peur qu'on a fait des choix extraordinaires qui nous ont amenés là où on est passé, à vivre des émotions très fortes et à rencontrer des gens extraordinaires. Donc ça, c'est une première chose. Et puis... quel est le sens aussi à ce que l'on fait, quel sens on donne à tout ce que l'on fait. Et c'est ce qui nous guide et c'est ce qui nous aide à maintenir le cap, en fait, jusqu'au sud. Parce qu'on peut très bien se perdre dans un voyage, on peut très bien, à un moment donné, se sentir submergé par les émotions, se sentir submergé par les apprentissages, par ce que l'on voit, tout simplement. Nous, on l'a ressenti à un moment donné au Mexique, on s'est dit, mais on en a trop, enfin, on a trop d'émotions, on a trop de visages dans notre tête, on a trop de choses déjà. Comment faire de la place pour la suite, c'est compliqué. On peut très vite se dire, tiens, j'ai envie de m'arrêter un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et au bout d'un moment, on ne repart plus. On a rencontré beaucoup de personnes de cette manière-là qui avaient mis en pause un petit peu leur voyage et qui, en fait, ne sont jamais reparties. Et ce sont des grands regrets pour eux aujourd'hui. Donc voilà, c'est oui, bien sûr, c'est quel sens on donne à ce que l'on fait. Et ça aide justement à garder une continuité et à s'accrocher tout simplement à notre objectif. Donc ça, pour moi aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, préparer sans trop préparer. Parce qu'en fait, quand on n'a pas trop d'expectatives, c'est là qu'on se laisse surprendre par des choses magnifiques et par la simplicité aussi. Ne pas chercher forcément à avoir du grandiose, mais c'est en acceptant et en appréciant la simplicité que je pense on se découvre le plus et on apprend le plus et on s'étonne le plus. Ouais, c'est beau. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée? Non, j'ai l'impression qu'on a été quand même assez exhaustive dans le récit. c'était chouette, je te remercie, c'est un vraiment un beau moment. Est-ce que dans ton actualité du moment, des projets dont tu as envie de parler? J'ai mon DVD qui va sortir là début mars officiellement. Okay. Uh-huh. Donc je suis très contente d'avoir enfin mon film en DVD. Je suis en train de travailler à proposer aussi une VOD prochainement pour les personnes qui n'auraient pas forcément de lecteur DVD. Sinon, là je suis en pleine écriture en fait de ce prochain projet avec Jérémy qui nous emmènera l'hiver prochain sur les routes aux confins de l'Europe pour raconter une histoire spécifique. On y va à vélo. Je suis en pleine écriture avec Jérémy de ce projet-là pour essayer de donner vraiment un joli corps à tout ça. Mais c'est une réflexion que l'on a depuis pas mal de temps, donc je suis contente de pouvoir la concrétiser pour l'hiver prochain. Et puis sinon, on a beaucoup, beaucoup de festivals là au mois de mars et un petit peu en avril. On est sur l'île de la Réunion en mai, donc je suis très, très contente de faire rayonner mon film. On commence à être appelé par beaucoup de médiathèques aussi pour organiser des conférences, des projections. Donc voilà, la proposition est faite. Si vous êtes intéressé par le film, faut pas hésiter à nous contacter. On est très contente de pouvoir le partager et le faire rayonner. Parce qu'en fait, il ne parle pas que aux cyclistes. C'est
ça fait appel et ça parle, je pense, à tout le monde parce que je parle d'émotions assez universelles. Et donc, chacun se retrouve un petit peu dans ce voyage-là, dans la difficulté, dans les accidents, dans la découverte. Voilà, ça parle et je suis contente que mon film trouve aussi son public de cette manière-là. Voilà, donc le DVD, on pourra le trouver. Tu as un site web où on peut le trouver? Oui. Alaska-patagonie.com D'accord. et sinon je l'aurai aussi au festival bien entendu D'accord. Tu seras avec moi. là, tu seras là hein, au festival Into the Wild. Donc, Oui. tu peux vous passer. Votre projection sera le jeudi 24 mars. Voilà, au festival qui se déroulera à la Sucrerie à Wavre. Donc, le festival, c'est du 24 au 26. Ben voilà, super. On pourra se rencontrer. Alors, en vrai, c'est chouette. Ben, je pense qu'on a tout. Et si, où on peut te trouver si tu es présente sur les réseaux sociaux? Oui, alors on a un Instagram et un Facebook dédié au voyage, donc c'est Alaska Patagonie sur Facebook, Alaska Patagonia sur Instagram. Et sinon, moi, mes réseaux personnels, oui, je lance mon site internet la semaine prochaine, sophieplanque.com, fastoche. Eh ben oui. Et mon Instagram, c'est Sophie Planque, fastoche aussi. D'accord, bah je remettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Eh bien, un grand merci pour ton temps ce matin. Au plaisir de te voir bientôt alors. Oui, au plaisir, NB, merci pour tout. Et c'était un moment très agréable, j'ai beaucoup apprécié. Et merci à tes filles pour les belles questions. Ah, elles vont être enchantées en plus d'être saluées nommément. Merci Sophie.